Salut tout le monde, c'est Zero, j'espère que vous êtes tous très bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo en compagnie de Rixforce, l'épisode numéro 5 de la KR Suite. Vous allez voir en live l'autre fois les amis, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, on a eu la chance d'avoir un tracteur d'occasion qui était vraiment, qui coûtait vraiment très peu, donc c'était vraiment sympa. Aujourd'hui, vous allez voir, on va faire pas mal d'enrubanés, etc. On va faire pas mal d'investissements, donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu pour le soutien et on est parti juste après l'intro. En tout cas, Mickaël, merci beaucoup hein, pour ton intervention, etc. Franchement, ça me fait grandement du bien que tu sois dans la ferme. Bah, c'est à toi de te remercier. Enfin, c'est à moi de te remercier parce que franchement, c'est top. Merci de m'avoir laissé cette chance. Je suis vraiment content d'être avec toi dans cette ferme. Donc, je verrais vraiment que tu sois embauché dans la ferme. Tu voulais être que stagiaire pour les tests. Hein. Donc, alors attends, on va en parler. Juste, tu peux aller ouvrir le portail. Attends, je mets devant. Allez, vas-y, ouvre le portail si tu veux. Voilà. Hop. Alors, vas-y. Tu peux y aller. Ouais. Oula. Vas-y, on va se garer là. Bon, du coup, il y a la voiture de Mickaël qui est juste ici. Faut pas trop que je la bloque. C'est bon, ça passe. Là. Voilà. C'est bon. Le frein à main, c'est good. On éteint le moteur. Je ferme la porte. C'est bon. Et Jeanne. Ouais. D'ailleurs, faudra qu'on passe un petit coup de débroussailleuse là. Dans le jardin. Ouais, j'ai pas trop eu le temps là. Ça a poussé quand même pas mal là. Hein. Mais énormément. Ça a quand même poussé pas mal. J'ai pas trop eu le temps. On verra ça. Mais en vrai, là, j'ai pas trop eu le temps pour le moment. Mais les moutons, comme tu veux. Ouais, les moutons là-dedans, j'ai pas envie qu'ils me bouffent n'importe quoi. Tu sais, des fois, il y a des mecs qui balancent des bouts de verre un peu là. Des canettes, tout ça. Oui, c'est vrai, ouais. Donc, franchement, j'aimerais pas trop. Ils sont bien dans leur enclos. Et puis, je préfère ça que. Voilà. En vrai, on le fera la débroussailleuse. Je pense que je vais fermer ça vite fait. Voilà. C'est good. Bon, du coup, programme de l'après-midi, mon petit Mickaël, on va commencer à moissonner aujourd'hui. Oui, on a de l'avoine, on a pas mal d'avoine, donc on va y aller. On va se dépêcher, vas-y, suis-moi. Est-ce qu'on le stocke directement ou on le revend Non, on va le revendre à la coopérative parce qu'il y a Mathieu qui m'a dit qu'il était quand même sacré à un bon prix. C'est sacrément à un bon prix. Ça peut être intéressant. Ouais, ça peut être vraiment intéressant. On va juste aller voir les poules vite fait parce qu'en vrai, les poules, ils ont plus trop à bouffer, donc on va leur mettre un peu de blé. Bah, c'est ce que j'ai vu ça la fois dernière. Ouais. On va leur mettre encore un tout petit peu de blé juste après là, mais en vrai, elles sont bien là, elles sont quand même bien, je trouve. Après, t'as déjà conduit une moissonneuse ou pas dans ta vie, toi? J'en ai conduit une très rapidement en fait, juste pour essayer, mais ça a été très 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 vite fait. Donc ce qu'on va faire, c'est que tu vas emmener la moissonneuse dans le champ d'avoine, je vais te faire voir dans le champ d'avoine, et puis je vais te faire voir comment un peu ça marche, etc. Et puis elle est récente, elle a quand même 15 ans quoi, mais oui pour une moissonneuse c'est récent. Pour une moissonneuse mais franchement c'est quand même pas mal. Vas-y, si tu veux monte dedans. Elle est pas mal. Tu mets juste le siège passager pour que je monte avec toi, d'accord? C'est bon, allez, je fais ça. Allez, merci, direction la moisson. Allez, vas-y, je te suis. On est parti pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous êtes tous très bien. Dans cette vidéo, encore une fois, je serai en compagnie de Rixforce. Salut Rix. Salut à toi, salut à tous. Comment vas-tu aujourd'hui? Ben, je vais très bien, je te remercie, et toi? Et ben, franchement, ça va super. Aujourd'hui, mec, alors Rix, il est vraiment étonné. Il veut vraiment, les gars, aujourd'hui, il a la hype parce que il y a la décoration. Il veut faire ça, les gars, donc la décoration est gratuite. Ce qu'on va faire, c'est que si la décoration est gratuite, c'est vraiment top. On va pouvoir s'améliorer, on va pouvoir améliorer la ferme en décoration, c'est vraiment génial. Dans le dernier live, on a réussi à avoir deux cassettes, deux cartouches. Et on avait dit en fin de live, si on a 1500 likes en diffusion, on a droit à une troisième cartouche. Et du coup, mon petit Rix, on a eu 1500 likes, pas loin de 1600, donc merci beaucoup. Mais donc, bravo à vous. On a la chance tout simplement d'aller chercher une nouvelle cartouche. Mais aussi, là, on a 40 000 euros parce qu'en off, j'ai fait des missions avec Rix. On a pas mal bossé, on a eu 40 000 euros pour les missions. Et vous allez voir que c'est quand même pas mal. Donc en vrai, on a pas mal avancé. On arrive où il y a la cartouche. J'ai regardé une petite vidéo sur YouTube parce que vraiment, je savais pas où qu'elle était. Il y en a une qui est ici, donc c'est assez original. Elle est juste ici, Rix, tout en bas de la carte, dans la petite forêt où je suis. Et en vrai c'est propre, donc il y a une cartouche, on la prend, donc on a eu 1500 likes, donc merci beaucoup. Pour avoir la prochaine cartouche, les gars, il faudra sur cette vidéo là 1500 likes. S'il n'y a pas 1500 likes, et bah malheureusement on ne pourra pas avoir la quatrième cartouche ou la cinquième cartouche. Là il faudra 1500 likes, 1500 gemmes du coup, pour une nouvelle cartouche. Donc là on a réussi à avoir 50 000 euros en plus, donc Rix, ça nous aide de fou. C'est le top 92 000. Voilà, mais ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'en fait la cellule Unia, donc la cellule à grain qui est juste ici, elle nous sert à rien. Parce que en fait on vend tout parce qu'on a besoin de thunes en fait. Donc ce qu'on fait, c'est que on va dans construction et on va la vendre parce que quand même 56 000 euros Rix, hein. 56 000 euros, vendre ça, voilà, 56 000 euros. On a 148 000 euros et ce qui est génial, c'est que à la place on va commencer à placer je pense des cerfs, ce qui est même sûr, et on va commencer à réfléchir pour les abeilles, mon petit les Rix. Abeilles, ce serait top. Mais carrément. Ouais, vas-y.
Parce que je me rappelle même au pire des cas, si on a besoin de stocker ou quoi les grains, on peut les stocker par terre, non? C'est pas très réaliste. Oui, mais... ça fait. Oui, après on peut reprendre un godet, on peut recharger quand on va les Oui, au vendre. Mais pire en des cas, vrai, ouais. on n'aura jamais besoin pour le moment, en tout cas, Normalement, de on va vendre stocker. directement. Rix, est-ce que tu pourrais aller Dis-moi presser tout. Ouais, y a l'enrubanner, pas de souci. l'enrubanner, Y a hein, pas de donc souci. l'herbe, parce que en vrai j'ai une technique. On pourrait essayer de Dis-moi faire tout. quelque chose. Donc Ça, qu'est-ce qu'on va l'enrubanné, c'est le top. Rix, qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des serres. Donc combien on prend de serres? Est-ce qu'on Ouais, je prendrait laisse elle placer. Est-ce qu'on prendrait pas, donc on a soit une serre, soit deux serres collées. Donc est-ce qu'on prendrait pas deux fois deux serres collées? Ça ferait quatre serres. Ouais, c'est le mieux. Essaye de les placer peut-être où il y avait le Bah ouais, c'est ce ciment, que je vais faire. Je vais les juste selon placer comment c'est. comme ça, voilà. J'espère qu'il va pas Et trop je vais les gêner. Ah, mais c'est tout placer, voilà, petit! c'est ça tout petit. Et je vais les placer du coup Oh, l'autre d'accord. juste là. On va, hop, voilà, ça on fait comme ça. Et après, au pire des cas, on modifiera un peu le Et là, terrain du pour que coup, ce soit bah là, plus c'est voilà. stylé. Après, on pourra mettre des laves, etc. Donc là, du coup, mec, on a. Par exemple, il y en a une qui est un peu plus avancée que l'autre. Est-ce que c'est vraiment grave? C'est pas très grave en vrai. Et mais ce qui est top, c'est qu'on peut vraiment Oh. aussi ouvrir les portes. On a juste à donner de l'eau. C'est ce que je vais faire maintenant. Moi, je vais faire ça maintenant. Et quand on appuie là-dessus, c'est marqué. On peut avoir soit des fraises, soit des tomates, soit des laitues. Donc, il faut qu'on donne de l'eau. Ouais, c'est ce que Donc tu m'as expliqué la fois ouais, donc en dernière. vrai c'est ce qu'on va faire, mec. Hein. On a eu un nouveau tracteur qui coûtait, mais ce qui coûtait, il était, je crois, à moins 75%, moins 60%. Ça Erix, vaut le pour coup. moi, ouais, donc C'est on la a acheté classe, là un. on peut le dire. Là c'est la classe, les gars, on a acheté du coup Bon, un classe. Allez hop, bah c'est c'est. parti. C'est Ça en bon, fait c'est. 3, n'empêche, c'est ce qu'il fallait, hein, de toute façon. Ouais, on garde le 3 massé tracteurs, pour un c'est le peu le. mieux. Tu sais, pour un peu le valet de Le ferme un valet de peu. ferme. Voilà. Ouais, Et je en vrai, on vois. a l'oignolante qu'on a acheté l'épisode dernier, qui vous a beaucoup plu, donc merci beaucoup, et celui-là, donc c'est super. Donc là, du coup, il faut qu'on donne de l'eau. Donc si on déploie ça, est-ce qu'on peut? Alors comment ça marche? Est-ce qu'on a un trigger, XO, un truc comme ça? Ah, l'eau, c'est par ici, d'accord. Ah oui, non, ici, en fait, non, ici, c'est pour les gars, le milieu, c'est là, en fait, qu'on doit sûrement réceptionner les palettes. Là, c'est ici qu'on. Là, par contre, on va mettre de l'eau. Donc c'est ici, l'eau. Et On en là, c'est prend pas la première. automatique. Là, il faut vraiment que tu remplisses avec Ouais, une faut tuile. remplir, c'est ça, ouais. Mais en vrai, mec, t'as vu, Ok. ça donnait de l'eau et ça te Ouais, ça produit, va. etc. Donc en Beaucoup vrai, plus c'est simple que le super. FF19, Ouais, c'est ça, c'est quoi. ça. Et par contre, mec, je me rends compte, mais ça demande beaucoup d'eau, hein. J'ai rempli qu'une serre, Ah, ça bah, m'a tu vidé la vois. tonneau déjà. Oh. Ça m'a vidé la tonneau, donc là, on la fera plus tard. Alors, on va regarder, on a quoi comme eau? On va regarder ça, les gars, on va ouvrir. C'est super. Et niveau eau, ok, il manque à peu près 10 000 litres d'eau par serre X. Donc Oh, en vrai, c'est pas mal. niveau palette de laine, pour le défi, il nous Il y faut en a 4 trois, je palettes. crois. On est qu'à 3? On n'est pas à plus, on est, alors on est à. On va On est à, voir. alors deux de plaine, la troisième commence à être remplie, donc ça veut dire que prochain épisode, on pourrait Normal, la avoir quatrième. largement avoir la quatrième et finir le défi en fait, c'est super. Alors, par contre, Rick, j'ai une petite idée. Alors viens avec moi dans le shop, alors t'appuies Je sur P. t'écoute. Alors Ouais. comme tu sais, il n'y a pas d'autoload, de plateau autoload. Et Ouais, je me suis dit, effectivement. on va ranger les balles rondes avec la fourche, ça va être extrêmement long. Donc je me suis dit, si tu vas dans chargeuse de balles, c'est au milieu à peu près entre la presse à balles et au. Oui, je Et vois. voilà. Donc je me suis dit, est-ce qu'on pourrait pas prendre le deuxième outil qui est un outil de Le glisser en RBM là? personne? Voilà, Ouais. c'est en fait, ça charge directement en autoload 24 Un balles. peu comme le 19. Un peu Voilà, comme bah en celui du fait, c'est 19 qu'il y l'outil du avait. Ouais. 19 celui-là, c'est l'outil du 19. Donc je me suis D'accord, dit, ben ouais. il coûte Quand 50 000 même, c'est euros. cher. Mais au moins c'est autoload, etc. On a aussi les plateaux roulants de Univers Simu, malheureusement je crois qu'ils ne sont Ouais, mais. pas en Ah autoload. oui! Il y Ah, avait auto. l'autoload, Ah ouais, mais parce je que s'il faut crois charger nous-mêmes. là, configuration des roues personnalisée. Voilà, pour le moment il n'a pas encore mis Bruno l'autoload. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ça. Et quand le mode Ouais, ça dépannera ressortira, bien. voilà. Donc moi je me suis dit, on l'achète, mec, 50 000 euros, on le prend. Dites-moi si c'est en C'est parfait commentaire. parce que là, Bah ouais, mec, on en en a vrai, déjà pas même mal. bon, 50 000 euros, mais dites-nous en commentaire si vraiment ça vaut le coup. Mais on pense que vraiment pour le début, au lieu En vrai, toujours ça de fait charger, cher, hein. etc. Ouais, C'est cher quand mais. même, on va pas se le cacher, mais ça va bien nous aider, hein, et gagner du Ça temps. va nous aider. Donc en vrai, je pense que ça peut être top. En vrai, C'est un 50 000 bon euros, investissement. c'est pas grave. Mais du coup, alors, parce que Rick, l'autre fois en live avec LSC, on a aussi acheté un pulvée. On a Ouais, aussi c'est ce que j'ai acheté vu là tout tout à ce qui est l'heure. engrais, Bah liquide, la presse à etc. balle et tout, La ouais. presse à balles, la potinga, par contre, on a vendu la petite presse. On a vendu la petite Oui. presse avec le chargeur parce qu'au final, on s'est dit, bon bah voilà. Ça Donc là, c'est parti, mon petit Rix. Moi, je suis à côté de toi. Mon petit Rix à Ah gauche, oui, je il te presse. vois. Donc, Oh, le classe, il est classe. Enfin, oui, là on peut vraiment le dire, ouais. Effectivement. il est vraiment stylé. Les gars, moi, Ouais. franchement, on est au cinquième épisode. Et niveau série, niveau en fait activité, ce qu'on fait, c'est juste fou. On avance de fou. Et c'est juste incroyable, on a pas mal de bottes en vrai. Et tu sais qu'en vrai, on n'a pas beaucoup de champs, hein, finalement. On Il y en a a combien? Il y trois en a champs. trois? Trois champs, mais c'est des champs qui Wow. sont sacrément assez élevés, tu vois. Bah, ils Des gens sont qui sont grands, ouais, sacrément grands. effectivement. Donc en vrai, je me suis dit, bon, en vrai, on peut le garder, quoi. Donc là, la moissonneuse, ça fait quoi? Il y a un ouvrier ou pas dedans ou pas du tout? Ah non, non, pas du tout. Tu peux aller mettre un Attends, ouvrier je ou vais faut la que je mettre. fasse? Ouais, je pense Ouais, que tu je peux vais le le faire. faire. T'as les droits, je pense. Donc c'est super. Wow, ça devrait le faire. Tac. Donc là, je sais pas en vrai. Est-ce qu'on aura assez pour charger un plateau, tu penses? Ouais, je pense. T'en as combien là? T'en as Là, j'ai 7? déjà 6 bottes, 7, 8, 9, 10, 11, 12, même, il y en a quand même pas mal. Hein.
déjà. Et ça charge comment? Ça charge en plusieurs hauteurs ou t'en mets... Non, je pense que c'est... Non, regarde, ça va être comme ça, en fait. Là, on pourra mettre 24 sur la même hauteur, en fait, je pense. D'accord. C'est ça, en fait, je pense. Voilà, ça arrive là. Comment ça marche? C'est H ou pas? Ouais, c'est H. Mais est-ce que t'as les rôles... Est-ce que t'as les droits? C'est une bonne question aussi, ça. Voilà. Ça a pas l'air de marcher, je t'avoue. Vas-y, bah, je vais le faire, t'inquiète. Ouais, je vais le faire. Vas-y, moi j'ai ça là, tac. Voilà, j'ai ça là, j'arrive. On va se mettre dans la moissonneuse. Dommage que les prix soient un peu moins intéressants là pour les enrubanés. Alors l'or urbané, le prix, mec, en vrai, ça fait pas que t'en parles. Le prix de l'or urbané, si je me trompe pas, l'or urbané c'est ici. Donc or urbané, tac tac tac, on descend, c'est ici. Le prix c'est à 400€ à peu près et le prix est en train de monter. Donc en vrai, il faudrait qu'on arrive à peu près vers 600€. On donne un peu de blé, mec, aux bêtes là, aux poules, parce que là, laisse tomber. Hein. Ouais, vas-y, elles ont plus rien, il me semble. Elles ont plus rien. Bah non, parce qu'on a, on accélère un peu le temps. Pour faire pousser tout ça. Et ouais, du coup, automatiquement. Voilà. Et après, on a du soja à faire. Et tu sais, le champ d'herbe où qu'on est actuellement, ouais. Je pense qu'on va le mettre en culture s'il est trop grand. Et l'autre qui est à côté, par contre, on va le remettre en herbe, l'autre qui est à côté. Et est-ce qu'on ferait pas deux coupes avant de enrubaner? Alors, je sais pas si t'as vu, mais là, pour la moitié de la parcelle, donc il a pas encore passé, t'es en double coupe. Bah, tu vas être en double coupe, là, il va y avoir des gros enduits là, par contre. Mais oui, pourquoi pas, je pense, pourquoi pas. Ouais, ça pourrait être intéressant. Pourquoi pas, pourquoi et pas. Et peut-être mieux fertiliser, etc. Ouais, pour ouais, mais je pense qu'on sera plutôt, dans l'autre champ. Notre champ, c'est pas mal en vrai, parce que là, en vrai, c'est un peu compliqué, parce que le champ est trop grand, donc vaut mieux le mettre en culture, celui-là. On a fait le stock, on a plein de petites bottes qu'on a fait en stock d'herbe. Ouais, mais tu sais qu'en vrai, ça va vite partir, hein. Surtout, c'est des petites bottes, ouais, de fou. Mais là, du coup, j'ai aussi une grosse botte, donc je leur donne. Bah après, de toute façon, on peut acheter les palettes toutes prêtes, non? Ouais, mais en vrai, je sais pas, hein. Ça va être cher. Ouais, non, ça va être trop cher. Ouais, c'est un peu comme les poules, quoi, on pourrait, mais bon, c'est... Bah pour les poules, en fait, moi, on a acheté une palette de blé. Voilà, vrai, je crois que l'avoine, est-ce que l'avoine ça marche pour les poules par contre? Et je sais qu'il y a plusieurs cultures, je crois, non, qui marchent. Alors l'avoine c'est sorgho, orge, blé, donc malheureusement l'avoine n'est pas acceptée, mais bon. Ah bah pas de chance. C'est pas très grave. On va regarder par contre, est-ce que les... Herbes, c'est bon, j'aurais bien voulu faire, Rick, c'est acheter une nouvelle benne, pour remplacer l'ancienne, pour remplacer celle qu'on a actuellement. Donc je pense qu'on va acheter une benne de Simulagri, je pense, d'univers Simu. Roll Speed, on va l'acheter. En capacité, je pense qu'on va prendre... c'est pas cher pour les capacités, les gars. La capacité, on va prendre une capacité 29 000 litres, donc 29 tonnes, pour 37 000€. Est-ce que ça te convient ou pas? Ouais, c'est pas très cher, ça va. Donc en vrai, à part si on arrive à la choper d'occasion... Non, on n'arrive pas à la choper d'occasion, on l'avait pas tout à l'heure, donc là... Et est-ce qu'on la vend, l'autre? Parce qu'on va pas faire... Ouais, on va la vendre, on va la vendre. Ouais, tu crois? Ouais, on va la vendre, ouais, parce qu'on peut la vendre combien? Même si on la vend 10 000€, mec, c'est déjà ça, je te dis. On a 29 000€, mec, donc 10 000€ bien posé, 10 000€. Ouais, je trouve. Ouais. Sinon, donc, on aurait pu la garder pour stocker, justement, lorsqu'on en avait besoin. Je sais pas. Donc, tu veux... Bien, mec, ce qu'on fait, c'est pas compliqué. Les commentaires, les gars, ça sert à ça, n'hésitez pas à nous dire en commentaire. Pour le moment, Eric, ce que je fais, on la vend pas. Ouais. Ouais, on la garde pour l'instant et on verra selon les commentaires. Ouais, voilà, selon les commentaires, on verra ça. C'est ça. Voilà. Ça peut être intéressant parce qu'on a toujours forcément besoin de benne, tu sais, parfois. Donc là, Rix, première benne en mode, c'est la benne Univers Simu qui est la benne Roland, du coup. Bah, je vais voir ça. Et elle est vraiment sympa. Bon, là, fais pas attention, j'ai le petit massé devant, ça fait bizarre. Mais à vide, le massé roule à 40. Donc en vrai, c'est super. Ça va. Donc en vrai, il a tiré. C'est le tracteur le plus puissant, là. C'est le classe maintenant, ouais, c'est le classe, il fait 220 chevaux ou 230 chevaux, je crois. Oh, c'est pas mal. Donc en vrai, on est bien. Oh, c'est pas mal. On est bien. Pour un début de série, c'est pas mal. Non, on est bien. En vrai, là, je pense que c'est l'une des séries de toute ma chaîne entière qu'on débute, mais qu'on commence hyper bien. Qu'on commence avec des chapeaux de roue, etc. On est quand même pas mal du tout, en vrai. Moi, franchement, je suis assez fier. Donc n'hésitez pas à noter un peu la ferme. Merde, j'ai pas vu. La ferme, tout ça en commentaire, hein. Voilà, bah, ouais, on va en plus la décorer encore mieux tout à l'heure. Bah là, on va la décorer. Là, vraiment, je mets la benne et on va essayer de regarder si on peut décorer un tout petit peu. Rick, retiens bien, on a 50 000€. La décoration est gratuite. Est-ce que du coup, c'est bon, nickel. Il y en aura des balles à ramasser aussi là. Ouais, bon, du coup, on fera ça. Et on les stocke où du coup les balles? On va les vendre, tout ça. Milieu, on va les vendre. Ah oui. Je pense qu'on ira vendre, tu sais, on fera 24. En fait, ça remplace un peu un plateau en fait. Où on attend peut-être pour l'instant les prix les plus intéressants. Ah oui, bien sûr, donc là le prix est en train de monter, donc faudrait qu'il monte entre aux alentours de 500 600, ce serait pas mal en vrai. Ouais, c'est vrai. Tac, vas-y. Bah mec, je suis venu de ramasser ça en vrai. Et après on va les décorer un peu la fin pour la fin de la vidéo. Ça va être vraiment sympa. Mais du coup les bottes d'herbe qui sont à côté, Rix, ce qu'on va faire, c'est qu'on les chargera pour les moutons. C'est bon, on va faire ça, ouais. Je sais pas si ça fait gaffe, il y en a une aussi en haut là. Ouais, en fait celle-là c'est l'ouvrier.
L'ouvrier, les gars, tout à l'heure j'ai préparé la partie et l'ouvrier les a poussés. La moissonneuse elle est en train de faire son travail, du coup on a une nouvelle benne, on a un nouvel autostack, on a un nouveau tracteur, on a un pulvérisateur, on a des serres et aussi la presse. Donc là Rix, tu peux commencer maintenant. Rix il a la hype les gars. Ce qu'on va faire, c'est que on va construire. Donc moi Rix, je pense que je vais commencer à faire des petites décorations vraiment sur le côté des... on va mettre comme ça, voilà. Peut-être des serres peut-être. Ouais, alors, moi je vais continuer la clôture si tu veux. Vas-y, vas-y, go, on fait ça. Donc là, peut-être un truc comme ça, je pense. Je recherche chaque fois, je me paume là-dedans. Peut-être un truc comme ça. Tac, voilà. On va faire mais comme franchement, ça. Franchement, le panel de construction, je trouve, il est énorme. Il est bien, hein. C'est le top. Ouais, franchement, c'est le top. Hein. Ah, de fou, je suis moi qui aime beaucoup construire et tout ça, bah là, franchement, je suis ravi. Le but, ce serait de rembarrer en fait, Cérix, un peu les serres. Ouais, génial de faire ça. Et là, pour quand même mettre un petit portail au milieu. Oh, c'est un portail, ça, les gars. Ah, ça, ah oui, d'accord, portail, clôture, ah, c'est marqué ici que c'est un portail, d'accord, ok, bah c'est bien ça. Ouais, ouais, c'est écrit en dessous, ouais. C'est en fait que les moutons et la maison, alors la maison et les moutons sont un peu collés, donc je me suis dit pourquoi pas placer quelques petits arbustes ici, pour faire, tu sais, c'est un peu une forme de décoration. Tac, ouais, je vois, voilà, je vois. Super. Là, par contre, juste pas trop cacher les moutons, parce que j'aimerais quand même bien les voir, les moutons. Niveau plantes, on peut aussi mettre quelques petits buissons bien sympas. Oh, les gars, j'ai fait de la merde. Mais en vrai, c'est bien. Mais en vrai, les gars, j'ai fait de la merde, mais en vrai, j'ai pas trouvé ça trop moche. On peut aussi mettre tout ce qui est lumière, tout ça, donc ça en vrai, c'est super. Clôture, et du coup, niveau, on peut aussi repeindre ça, donc ça, on le fera après. Et Rixforce, attends, mais ça, je vais le faire si tu l'as pas fait vite fait. Je vais le faire tout de suite. En fait, c'est les buissons que t'as peut-être pas mis ici, parce que je vais le faire. Non, j'ai pas mis. T'inquiète pas, je vais le faire. Tac, tac, tac. Donc là, j'ai mis un arbre. L'autre fois, en fait, les gars, en live, j'ai fait une petite bêtise. C'est que là, j'ai mis. Les buissons étaient vraiment différents. Je me suis trompé carrément. Donc, on va faire. Je te fais confiance. Il y a une petite différence de taille au niveau du portail. Je trouve que c'est un peu choquant, je t'avoue. Ah, bah en vrai, fais comme tu veux. C'est gratuit. Hein, donc, en vrai. Ouais, c'est sûr, mais bon, il faut. Tac. Il faut que les abonnés aiment et toi aussi. Donc. Bah, c'est pour ça que les amis, n'hésitez pas à noter tout ça en commentaire, en vrai, les gars. Il faut mais noter au maximum. Vraiment, hein. Il faut noter, donc là par contre c'est un peu vide ici dans cette partie là. On essaiera soit de mettre un bâtiment, de le coller aussi en silage ou autre chose. On pourrait mettre quoi les amis ici? Donc là on a les serres, mais vu qu'on a vendu la cellule à grains pour se faire de l'argent, on pourrait avoir quoi ici en fait? Donc là vous inquiétez pas, l'argent descend, mais on va se remettre de l'argent, vous inquiétez pas, on a 50 000 euros en tout. Donc dites-moi ce qu'on pourrait mettre ici, mais même là à droite, mais ce serait vraiment génial, je sais pas, de mettre des animaux ou des petites cabanes, trucs comme ça quoi, vraiment. Et il y en a des cabanes en plus dispo sur le jeu. En plus, si y en a, mec, oh, il a envie de mettre un portail. Ah, t'as mis. Ah ouais, ok. Et le portail, je trouve un peu. Il est un peu petit. Ouais, je trouve aussi. Ah oui, il est dans le sol. Je pense, go le revendre le portail, hein. Donc ouais, là, Rixforce, t'as avancé sinon, t'as ici. Vu, j'en ai mis un autre là. Ouais, là-bas, j'aime bien. Là-bas, go. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. C'était vraiment un réel plaisir d'être avec toi, Rix, mais aussi d'être avec vous tous. Plaisir partagé. On a avancé de fou. Vous inquiétez pas, il y aura des lives, des vidéos prochaines. Ce week-end, il y aura une vidéo sur cette série-là. Vous inquiétez pas, on va avancer de fou. Merci beaucoup, Rix, pour la présence. Ça fait encore une fois un merci plaisir. À toi de l'invitation une nouvelle fois. Et n'hésitez pas à nous donner une note dans les commentaires et à lâcher votre plus beau pouce bleu. Ouais, notez en fait l'ensemble de la ferme, etc. Tout ce qu'on a fait. Mais en tout cas, merci beaucoup à vous tous et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. C'est Zero et Rixforce et on se dit à la prochaine. Allez, salut tout le monde, ciao, les gars. Salut.